Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. <laughs> Oui, bonjour chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Vous vous posez certainement la question, qu'est-ce qui fait que M. Godson n'a pas qu'il soit si joyeux, mais en fait, il est toujours, c'est certain, qu'il nous chante du Bob Marley, du Get Up, Stand Up. Vous savez, il est important que je vous clarifie certaines choses essentielles sur le fonctionnement, je dis bien le fonctionnement, et je le répète encore, le fonctionnement naturel de l'énergie japhétique, et donc de l'impérialisme, du colonialisme et consorts et associés. Il est important de comprendre le mécanisme de fonctionnement de leur nature. Je parle des impérialistes, je parle des occidentaux, de ces personnes dont la nature est claire et nette. Vous êtes libre, vous avez le choix d'être bête. Personne ne vous en voudra pour ça. C'est un choix. On peut choisir d'être bête, on peut choisir d'être un idiot. Mais une chose est sûre et certaine, la connaissance, elle, elle est partout, elle vous est donnée. C'est à vous de faire votre choix. Il y a donc de ces nègres de maison, de ces valets locaux, de ces collabos des Occidentaux, des impérialistes, des colonialistes qui continuent de croire, qui continuent de croire, oh là là, quelle croyance! qui continuent de croire bêtement, naïvement, que lorsque l'impérialisme et les impérialistes décident de faire quelque chose contre vous, il y en a de naïfs qui croient que si nous sommes gentils avec eux, si on joue les bons petits tout, eh ils finiront donc par se comporter agréablement envers nous et tout ira bien. En fait, ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Le nègre de maison. Le nègre de maison qui ne réagit guère lorsque le nègre de plantation est fouetté, bastonné, violé. Le nègre de maison soutient même son patron parce qu'il a peur de perdre son statut jusqu'à ce qu'un jour arrive. Et que le nègre de plantation, qui avait déjà l'horizon devant lui, finisse donc par s'affranchir, par fuir. Et le nègre de maison, eh bien, faute d'autres personnes pour travailler dans les plantations, le nègre de maison est renvoyé illico presto dans les plantations. Et c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, l'impérialisme, le colonialisme, ce sont des maladies, des plaies que des oppresseurs utilisent et cela fait partie de leur nature. C'est comme d'aller rencontrer un lion et de lui dire, bonjour monsieur le lion, je sais que tu peux être gentil, tu ne vas pas me manger et donc je vais te donner à manger des herbes. Il y en a encore qui croient. À ses fantasmagories, à ses rêves psychédéliques, à ses illusions, à ses bêtises. Parmi ceux qui croient à ces gens et qui sont les valets locaux des impérialistes, il y a bien sûr la petite chienne de maison, la CEDAO. Alors, qu'est-ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui? Vous avez tous appris que le Niger a décidé une fois encore eh bien, de foutre tout simplement les Américains dehors. Après les Français, le Niger a voulu dans sa dignité se séparer des relations indignes et retrouver son intégrité spirituelle, identitaire, fondamentale. Et donc l'AES se trouve encore une fois de plus en danger. Oui, vous avez bien entendu en danger. Je vais vous expliquer le protocole de fonctionnement de l'impérialisme. Et c'est là que vous comprendrez en fait que les autres valets locaux qui se croient protégés parce qu'ils ne sont pas concernés pour le moment sont en train de se leurrer, sont en train, sans le savoir, de creuser leur propre tombe avec leurs dents. Je vais partager avec vous une fable de la fontaine. Et sur elle, je vais donc revenir pour vous éclaircir, pour vous éclairer un peu sur la nature propre à l'Occident, la nature propre à l'impérialisme occidental. Et vous allez voir que si tous les autres pays africains ne décident pas illico presto de se mettre ensemble comme nos ancêtres nous l'ont toujours enseigné et de partir avec l'AES, ces pays le regretteront amèrement. Parce qu'une chose est sûre, et c'est le plus grand conseil que je vais donner aux chefs d'État de l'AES. Et à l'AES et aux populations de l'AES, je suis AES, je vous l'ai déjà dit, il y a un conseil que je vais nous donner. Nous ne pouvons plus jamais retourner en arrière. C'est fini, c'est impossible, ce n'est pas possible. C'est-à-dire se ce réveiller un matin se dire. Oh là là, est-ce qu'on n'a pas peur Bon, essayons de, de, de repartir en arrière, euh, faisons revenir les Français, faisons revenir les Américains, essayons donc de, de nous entendre et de nous soumettre à eux, et puis tout va s'arranger comme dans le meilleur des mondes, comme par magie. Si cela vous a traversé l'esprit, c'est parce que vous faites partie des, des idiots, des bêtes, des imbéciles et des cons. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité, qu'on arrête d'être un con. Il y a une chose que l'impérialisme ne pardonne jamais. Je le dis avec vigueur, avec force. Il y a une chose que l'impérialisme ne pardonne pas. Parce que derrière l'impérialisme, il y a un pouvoir spirituel, je vous en parlerai, mais il y a une chose que l'impérialisme ne pardonne pas, c'est l'affront. Lorsque vous faites affront à l'impérialisme, lorsque vous affrontez l'impérialisme, lorsque vous vous opposez à l'impérialisme, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, à n'importe quel moment, si vous faites l'erreur, la monumentale erreur de vouloir retourner dans les rangs, comme on le dit souvent, comme certaines personnes vous le suggéreraient. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Parce que l'impérialisme ne pardonne jamais l'affront. C'est contre son systémique fonctionnel. C'est le mauvais exemple qu'on ne doit jamais laisser impuni. Si nous sortons en tant que AES du colonialisme, de l'impérialisme, Sachant que c'est définitif. Il n'y a plus de machine arrière possible. Et le danger qui guette les autres pays africains, c'est que pour les impérialistes, il n'y a pas le Mali à part, le Niger à part, il n'y a pas le Burkina à part, et il n'y a pas le Togo à part, le Nigeria à part, le Sénégal à part, la Côte d'Ivoire à part. Non! Pour les impérialistes, vous êtes pareil au même. Je dis bien pour l'impérialisme, vous êtes pareil au, mien, au même. C'est comme au temps du racisme. Pour les racistes de ce temps-là, et il y en a même encore aujourd'hui, vous êtes pareil au même. Un nègre est un nègre. En fait, qu'est-ce que vous ne comprenez pas Quand vous vous regardez là, vous êtes un Occidental Quand vous vous regardez là, vous ressemblez à, à Macron Est-ce que vous ressemblez à Macron c'est-à-dire du genre, euh, à, à Macron, celui qui décide... Excusez-moi. Euh, euh, Excusez-moi. De... Excusez Alors, est-ce que vous êtes Macron, celui qui décide subitement de, de, de s'attaquer à la Russie et qui se présente sur des photos un rigolo qui essaie de, de, de montrer qu'il a des, des biceps Non Arrêtez de croire à des idioties, à des mensonges, s'il vous plaît. Et ça, c'est la vérité. Une chose est sûre l'Occident, l'impérialisme occidental ne vous ratera pas parce que pour eux, c'est pareil au même. Vous êtes des nègres de maison, vous êtes des nègres de plantation, c'est pareil au même. Est-ce que vous pensez que les Français, les Américains vont dire. Oh, les Ivoiriens sont très gentils, ils n'ont aucun problème avec nous et pour bien faire les choses avec eux, etc. Mais avec le Mali, on n'est pas d'accord, on va leur montrer ce dont nous sommes capables. Et d'ailleurs, ils vont le faire parce que, je vous le dis, l'impérialisme n'aime pas l'affront. Donc, l'AES doit s'attendre à une guerre, quelle que soit la forme sous laquelle elle va se présenter. Et cette guerre aura lieu, qu'elle soit active ou passive, qu'elle soit chaude ou froide, elle aura lieu, si ce n'est qu'elle a déjà commencé. Je vous assure, cette guerre va utiliser des intermédiaires pour le moment, c'est-à-dire les valets locaux, les nègres de maison. Mais cette guerre, elle aura lieu parce que l'impérialisme n'aime pas l'affront. Et même si vous revenez, même si... Par hasard le plus grand des hasards impossible qui puisse exister, vous décidez de revenir comme auparavant. La guerre aura toujours lieu. Donc il faut comprendre que vous avez pris un chemin de non retour. C'est un chemin de l'impossible retour. Moi j'appelle ce chemin là, disons one way. C'est un chemin de, 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 de one way tout simplement parce que c'est un seul aller pas de retour possible. Donc, si les autres peuples des autres pays africains croient que, oui, en disant non, c'est l'AS, nous on n'est pas dans la S, vous vous trompez. L'impérialisme ne fait absolument aucune différence. Vous êtes tous les mêmes pareils ou même. Et si on n'arrive pas à punir l'un, on punira l'autre. C'est là la raison spirituelle même que je vais vous énoncer tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez l'histoire ou peut-être la fable de La Fontaine? Le loup et l'agneau. Oui, ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Le loup et l'agneau. <laughs> la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde. Pure. Suivez bien. Un loup survient, agent qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait, qui te rend si hardi de troubler mon breuvage. Dit cet animal plein de rage. <laughs> On connaît la rage à l'impérialisme. Tu seras châtié de ta Mérité. <laughs> je continue. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis trouver, troubler sa boisson. En fait, là où se désaltérait donc l'agneau, était même à un endroit où, si le loup buvait, ne sentirait même pas l'eau de l'agneau passer dans son eau, de façon terre-à-terre. Terre. Mais que dit cet animal plein de rage occidentale Tu la troubles reprit cette bête cruelle, oui, on connaît cet adjectif également. À ce pouvoir. Et je sais que de moi, tu médis l'an passé. <laughs> tu médis l'an passé. <laughs> ah, que cela ne vous échappe jamais. J'ai dit, ce pouvoir ne pardonne jamais. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas encore né Donc l'agneau n'était même pas encore né. Repris l'agneau. Je t'ête encore ma mère. Et l'animal plein de rage qui dit, Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. <laughs> Écoutez bien, il dit, Je n'en ai point. Donc l'agneau dit, je n'ai même pas de frère. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. <laughs> Il faut que je me venge. Oui, la vengeance, on connaît également à ce type d'animal. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. En fait, je vous lis un peu cette, cette fable pour vous amener à prendre conscience que vraiment la raison du plus fort est toujours celle qui tient. Il faut bien que ça rentre dans votre tête parce que l'impérialisme justifiera par tous les moyens son agression, son impérialisme. C'est ce qui fait d'ailleurs son impérialisme. C'est la capacité à justifier par tous les moyens son impérialisme. C'est ce qui fait l'impérialisme. Ça veut dire que que vous vous soumettiez ou que vous ne vous soumettiez pas. L'impérialiste demeure impérialiste et ne sera jamais un gentil. Il faut que ça rentre dans la tête des cancres de nègres qui encore continuent à dire oui, et ce que font les, les pays de l'AES, ce n'est pas bien, on nous met en danger. Nous avons toujours été en danger. C'est parce que vous n'avez jamais ouvert les yeux. Nous avons toujours été en danger, toujours. Il n'y a jamais eu un moment où nous n'avions jamais été en danger parce que nous détenons les ressources naturelles. Nous sommes déjà en danger. Nous avons toujours été en danger. Nous sommes le continent le plus riche de la planète. Nous sommes en danger. Nous avons toujours été en danger. Vous savez, ce qui va se passer maintenant, une fois que tous les Occidentaux ont compris que ces trois pays ont décidé, de, de se séparer d'eux. Ils vont chercher par tous les moyens, comme dans l'histoire de la fable, ils vont chercher tous les moyens pour se venger, d'une manière ou d'une autre. Ils vont se venger non pas seulement sur le Mali, sur le Niger ou sur le Burkina, non. Pour eux, tous ces nègres de l'Afrique-là, vous êtes pareils au mêmes. Il y a quelque chose de spirituel dans l'impérialisme. C'est l'assujettissement spirituel. Vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. Je vous donne un exemple simple. Il y a un pouvoir occulte sombre que cultive l'impérialisme et sans ce pouvoir, l'impérialisme ne peut pas tenir dans la durée. Ce pouvoir occulte sombre, cette magie noire, est basé sur des morts, sur des cadavres, sur la capacité à offrir du sang à un égrégor obscur. Parce que il y a une chose que l'on cherche, et je vais vous la détailler de façon simple. Prenons deux personnes, une personne qui est esclave et une personne qui est l'esclavagiste. Ça vous rappelle certainement des choses. Alors vous allez dire, oui, ça ne fait rien, l'esclave finira par mourir et donc, bon, l'esclavagiste peut-être peut retrouver d'autres esclaves, retrouver peut-être d'autres esclaves de ce peuple, mais moi, de toute façon, je suis mort en tant qu'esclave et je suis parti. J'imagine la scène. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait derrière toute idéologie idéologie il y a toujours une forme de spiritualité. Et la forme de spiritualité de l'impérialisme c'est la domination des âmes. Ça veut dire que lorsque l'impérialiste arrive, il met en place un système ou un systémique, un programme ou des programmes dans lequel vous êtes assujettis spirituellement. Vos âmes sont assujettis. Or, lorsque des âmes sont assujetties, ça veut dire que leur lignée de sang à eux devient toujours ou demeure toujours la lignée de sang supérieur et vous, les enfants des enfants des enfants de vos enfants, demeureront toujours la lignée de sang inférieure. Est-ce que ça ne vous étonne pas qu'aujourd'hui encore, bien qu'on n'ait pas vécu autant de nos ancêtres, Aujourd'hui encore, lorsque des Africains voient des Occidentaux ou des Blancs, instinctivement, ils négligent leur propre race, leur propre peuple au profit des autres. C'est-à-dire qu'en fait, ils dénigrent l'Africain et puis ils adorent le Blanc. Est-ce que vous ne remarquez pas que instinctivement, la plupart des États africains et des chefs d'État ont tendance à frissonner lorsque ces occidentaux commencent à batifoler ou à déclarer des choses. Parce que ce sont des vats en de guerre. Regardez par exemple l'histoire avec les États-Unis et le Niger. Vous ne faites pas de diplomatie, donc vous ne prenez pas de rendez-vous. Vous descendez sur, euh, dans un État et vous décidez que vous allez avoir une réunion. Une réunion au cours de laquelle vous dites à des autorités d'un État que vous ne souhaiterez pas que ces autorités fassent des, aient des relations commerciales avec tel ou tel ou tel pays. En fait, ce sont des gens qui fonctionnent toujours comme ça. Ils ont peur de nous, ça je vous le dis. Mais pour montrer qu'ils n'ont pas peur de nous, ils font comme Emmanuel Macron en train de taper sur un sac de ballon en montrant... N'est-ce pas, à Poutine qu'il peut, peut aller en guerre. Mais les, les sacs ne rendent pas les coups. C'est ce, ce que font les Occidentaux. Je me rappelle un jour, ma tante a rencontré donc un blanco de ces Occidentaux, tous ne sont pas les mêmes bien sûr, un de ces Occidentaux-là, impérialiste, qui était dans un restaurant africain et qui a voulu juste, dans le restaurant, Relever ce que moi je pense dans sa tête être un nègre, c'est-à-dire il parlait au serveur africain comme si, voilà, c'est l'autorité du, du blanc qui parlait. J'étais au restaurant avec ma tante. Ma tante, elle a vécu tout le temps en Europe à l'époque et elle s'était levée. Elle s'est approchée du blanc. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Elle a dit Monsieur, fermez-la tout de suite. Il a voulu, il a dit fermez-la tout de suite. Vous vous foutez de qui ici-là? Vous pouvez faire ça chez vous là-bas? Fermez-la! Le gars était devenu en un instant, on dirait, un petit toutou. Pourquoi est-ce que je vous donne cette histoire? Ce sont des gens, c'est comme ça ils sont. En fait, ils aiment faire peur. Regardez les réseaux sociaux. Oui, Emmanuel Macron va envoyer 20 000 hommes pour soutenir l'Ukraine. Et on va déplacer, et on va attaquer le Niger, on va attaquer l'AES, la, la Suède, on va déployer. Vous voyez Ce sont des enfants, ce sont des petits tintins qui veulent jouer à la guerre. En fait, ce sont des peureux. La France criait, je pense, à la Deuxième Guerre mondiale Oui, on est fort, on est puissant. Hitler allait boire le café à la Tour Eiffel. Le peuple français étaient comme un peuple déchu. Ils ont ça encore en mémoire. Ils ne l'ont pas oublié. Alors, je voudrais vous dire une chose. N'ayez jamais peur des Occidentaux. Parce qu'ils se nourrissent exactement de votre peur. Cette peur s'est laissée en nous par des traumatismes anciens de l'esclavage. C'est pourquoi vous avez comme l'impression que vous avez peur, mais c'est une illusion. Vous êtes plus courageux que tous les Occidentaux réunis. La seule chose que vous avez besoin de faire, vous les Africains, c'est de relever la tête, de les regarder droit dans les yeux. Et lorsque un décide de jouer au coq, alors jouez à l'aigle et bouffez-le, aussi simplement que ça. C'est de cette manière que vous les remettrez rapidement dans leur droite ligne. Mais si ce sont des gens qui, enfin, qui caquettent et vous sautillent en disant, hey, ils, vont, ils ont ceci, ils ont la brume atomique, ils ont marché, ils, 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 ils ont ceci, ils ont cela. Et que vous vous recorqueviez dans un coin en disant, oui, ils vont faire du mal au mari, ils vont faire du mal à, à, à l'AES. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Ils ne jouent qu'à ça, l'intimidation. Et c'est quand l'intimidation prend le dessus et qu'ils n'ont plus de personnes de résistance comme ce qu'ils ont fait avec Kadhafi, où il n'y avait plus de résistance autour de Kadhafi, plus personne ne soutenait Kadhafi, en ce moment-là, ils plongent avec raison impérialiste. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais le plus fort, c'est l'Afrique. Sinon, pourquoi ne partent-ils pas? Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Parce qu'ils savent où se trouve la force, où se trouvent toutes les forces, sur tous les plans, à tous les niveaux. Nous leur avons enseigné ce que c'est que la civilisation, mais beaucoup d'entre eux sont demeurés encore des barbares. Et nous allons les mater. Chaque Africain doit se réveiller à sa valeur intrinsèque, à sa dignité. Chaque Africain doit se contempler dans la peau de l'Africain qu'il est, noir, nègre, obscur. Et il va se dire, oui, il n'y a pas de plus belle couleur que ce qui n'est pas une couleur, ce qui est noir. Car c'est de l'obscurité que la lumière a jailli. C'est nous qui donnons naissance aux choses. Et quand un veut l'ouvrir un peu trop grand, vous avez le droit de la lui fermer. Je demande à l'AES de maintenir les caps. Si un pays occidental vous menace, menacez-le. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous ne montrez pas que vous êtes fort, alors ils vont essayer de vous dominer. Et vous, les autres nègres, qui refusaient de vous allier à vos frères. Vous pensez que en restant isolés, ça ne vous concerne pas et que c'est eux et que même si eux disparaissent, les autres seront gentils envers vous. Quels sont les présidents qui sont à la tête de vos États Ça va pas chez vous là. Pour eux, quand ils ouvrent leurs yeux d'occident, d'occidental, ils voient vous êtes pareil au même. Donc arrêtez. Dans l'histoire de la fable. Le loup ne fait aucune différence entre l'agneau qui n'existait même pas autant qu'il soulevait, qui était faux, et ce qu'il avait dit. Mais vous êtes pareils au même. Moi, je trouve un, je le bouffe. Même si c'est vos ancêtres là, même si c'est vos congénères là qui ont fait ça, moi, il faut que je me venge. Ça fait partie de leur nature. Ils vont se venger sur les autres peuples. Donc, réveillez-vous. La Côte d'Ivoire, réveillez-vous, vous qui êtes un peu les serpillères de, Afrique, de, de la France-Afrique. Réveillez-vous, le Togo, réveillez-vous, le Bénin, réveillez-vous, tous les autres pays, et solidairement, allez soutenir l'AES. C'est seulement ainsi que vous allez affaiblir encore et encore l'impérialisme qui n'a jamais eu de force, ni de pouvoir, ni de puissance, autre que ce que vous lui avez toujours imaginairement su. Et apporter. Voilà de quoi il est question. Donc faites attention. Parce que si vous laissez cette forme d'esclavage se produire encore, si vous laissez se ce faire, cette indignité se produire encore, ce sont les enfants de vos enfants, de vos enfants, qui auront des gènes modifiés. Et dès qu'ils verront un impérialiste au loin en train d'arriver, ils vont frissonner. Ils ne sauront même pas pourquoi ils frissonnent. C'est l'occasion pour vous, à l'orée de cette nouvelle histoire, de faire front commun et d'affronter l'impérialiste. Et de développer des gènes et de laisser des gènes courageux à vos enfants, aux enfants de vos enfants, qui tiendront et qui mettront pied debout. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui à Haïti. Ça ne vous dit rien. Ou bien vous avez la mémoire courte. Est-ce que vous ne savez pas qu'en fait, l'on est en train de faire payer quelque chose à Haïti? Même si je sais que sur le plan spirituel, on va y revenir. Il y a des raisons pour que Haïti soit dans cet état. Mais est-ce que vous ne comprenez pas qu'en fait, il y a une forme de vengeance qui s'exerce sur Haïti? Je vous le dis, ces gens. Ce sont des gens enragés, des gens qui n'aiment pas l'affront et qui ne pardonnent jamais l'affront. Ils sont belliqueux pour cette raison. Vous avez à vous réveiller et à décider de ce que vous voulez faire maintenant. Quand même, c'est encore notre droit d'être libre, d'être nous. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. <laughs> Baby, this is cannot...